Merci d'être là. Merci de prendre le temps. Pas certaine de mériter qu'on m'écoute, par exemple. Pas certaine de mériter qu'on essaye de me sauver. Va faire venir la police, puis on va t'enfermer, ma calice de folle! Je vais le fermer, je vais le fermer. Ah, ok, mais moi, je suis quoi avec elle? Chut, chut, ma tante, arrête! Touche pas, toi! Envoie! Tonce-toi! Calé! Chris! Trop tard! J'aurais donc dû rester à Montréal. Ça faisait 6 mois que j'étais clean. Mais j'ai pas eu le choix. Quand ça se passe, puis comme ma mère était à Paris, et moi, l'hostie de Nord en Marthe. Aimes-tu la vie comme moi? Yeah. Vois-tu la vie comme ça? Yeah. Aimes-tu la vie comme moi? Vois-tu la vie comme ça, oh, dis-le-moi. Oh, toi, dis-le-moi. So cute. T'es jamais vu ici, toi? Première fois? Mmm, I love that mustache. You are so sexy. Come on, lève-toi et puis danse. Come on, come on. J'aime le matin quand près de moi tu te réveilles, yeah. J'aime le paradis. Hey. J'ai pas fini. Hey. Armène la musique. Armène la colisse. Ok, toi, mustache, little mustache, toi, dis l'armène. Dis que t'es un client qui veut qu'il remette la toune. Come on, little mustache. S'il vous plaît. On a du monde ici qui veut un show, Asti. Si t'es plein de mal, remets la musique. Ouais. Remets la musique. On s'était entendu que le mercredi, c'était mon soir et que je pouvais choisir toutes les tounes. Tant que personne ne se plaignait. Ah, puis qui c'est que tu veux qu'ils se plaignent, c'ti? À part les réguliers, là, nos 5 boys, puis la Charlotte qui retontit des fois avec les filles. Ah, oh, c'ti, t'es plein de marde. C'est tout dans ta tête. Tu t'inventes des histoires. Je faisais rien avec le gars. J'y ai chanté 2 lignes de la toune. C'est un show, ça qu'on fait. Et pour le show, tu regardes le monde des... Tu l'as-tu fait, le gars? Même pas 30 ans. Regarde-moi, là. J'aimerais bien penser que je pogne encore avec des petits jeunes, là. Regarde-moi. Sors des toilettes, asti, puis viens contempler la déesse avec qui tu vis. Puis tu me diras si quand t'avais 25 ans, mon homme, si ce que t'as devant toi t'aurait fait bander. Oh, calvaire! Je suis flattée que tu sois jaloux, mon chou. Mais t'es fucking ridicule. Bon, je sais bien que tu vas me dire que Cher, à 60 ans, t'avais encore envie de la fourrer. Cherokee Cher. Elle pis Tina. Tina Turner. Calisse. Tu penses que le jeune homme voyant, il pensait à Tina Turner? À Tina, live in Vegas, baby. Oh. Ouais. Je suis sûre qu'en me voyant sur notre belle boule disco, le gars s'est cru tout à coup au fucking Caesars Palace avec là en face de lui. La voilà, here she is, la belle et bonne Big Bad Mama.
Ouais. Puis, c'est sûr qu'il a eu envie de moi, hein. C'est tout juste s'il a pu se retenir de me sauter dessus direct là sur le stage tellement que j'étais excitante. Comme quand j'avais 30 ans, puis le ventre plat, puis je sais pas combien de livres en moins, combien de rides en moins. T'en suis bien, mon cochon? Dans ce temps-là, t'avais raison d'être jaloux, hein? J'ai toujours eu des belles jambes de danseuse. Même là, encore aujourd'hui. Bon, pas aussi longue pis mince que ta colisse de chair à la marde, là, mais... Coudonc, tu sors-tu? Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais ça? OK. Ben, si tu sors pas, là, je retourne dans le bar demain me chercher une bouteille de vodka. Puis ça sera bête ta faute si tout le monde rit de toi ensuite dans ton dos parce que tu te laisses mener par... Kim Le Bomba? Sophie? Je sais, c'est qui? Qui tu veux que ce soit à cette heure-là? Oui? Un instant. C'est la résidence. Ça faisait 6 mois que j'étais clean. Sophie? Tu m'avais appelé au bureau pour me féliciter. Sophie? Tu m'avais invité à prendre un café. T'étais contente pour moi. Est-ce que tu veux que je leur parle? Je t'ai dit que j'avais déjà un rendez-vous avec un client. Ensuite, un souper avec une avocate d'une autre boîte qui voulait me parler d'une offre. Super. Tu m'as dit super. On se voit demain. J'avais tout inventé. Je suis rentrée chez moi. J'avais déjà acheté ce qu'il me fallait. J'avais tout mis dans ma trousse. Non, sa trousse de maquillage. Celle avec les petits pingouins. Sa trousse avec sa cuillère, son garrot, son briquet... sa seringue et ses aiguilles. Nouvelles aiguilles propres, certifiées, recommandées, top, top, impec. Sauf... Oh, shit. Sophie, elle a fait une attaque. Ils ont appelé une ambulance pour la transporter. Il faut y aller. Ce sera à toi de décider avec les ambulanciers si on l'amène à l'hôpital de Timmins ou si tu veux que je la transporte à Sudbury en hélicoptère. Oui, je suis sa sœur. Je l'appelle du Canada et c'est très urgent. Je comprends qu'elle soit en entrevue, mais il faut absolument que je lui parle. Je comprends, mais je ne peux pas attendre une demi-heure. Vous la sortez et... Non. Non, c'est vous qui ne semblez pas comprendre la situation, ce qui se passe ici à mon bout. Hey, on s'en calisse-tu de ce que tu penses de mon accent? Tabarnak, passe pas et ma soeur paraît de me niaiser! Fuck! OK. OK. Fuck. Lève-le le message, OK? Dis-y que je suis dans un couloir d'hôpital puis qu'on vient de me demander s'ils doivent débrancher notre mère de la machine à oxygène puis que, légalement, paraît que c'est elle qui a le dernier mot. Je pensais qu'on l'avait changé, ça, pour que je puisse prendre les décisions en son absence, mais en tout cas... On l'a changé à la résidence, mais paraît que ça s'est pas rendu à l'hôpital. En tout cas, qu'elle me rappelle. Comme c'est une situation extrême, il se peut qu'on me laisse agir parce que, bon, selon les docteurs, elle souffre pas, mais... Je suis à l'extérieur, mais votre sœur est avec votre mère. En tout cas, qu'elle me rappelle au plus Chris. On nous a appelé aussitôt qu'elle a préposé la découverte dans sa chambre. Un infarctus foudroyant. C'est pas ton genre à te tromper sur les fuseaux horaires, maman? Ben oui, j'étais couchée. C'est le milieu de la nuit. Qu'est-ce que tu penses que je suis en train de faire un jour de semaine à... Même pas 5 heures. Votre fille? D'accord. Je lui dirai. Qui? Vraiment? Oh. Puis ça se passe là, là. Et tu reviens quand? Ici Marie-Élisabeth Thibaudeau. Vous avez bien rejoint mon portable, mais je ne peux vous répondre pour le moment. Veuillez me laisser un message. Bon.
J'aime autant laisser un message sur ta boîte vocale qu'avec ta secrétaire ou je sais pas qui m'a répondu l'autre jour, là, mais... En tout cas, c'est... Je vais m'organiser. Ne t'en fais pas, maman. C'est fini. Je sais pas quelle heure qui est là-bas. Je sais pas pourquoi tu m'as pas... Pourquoi on n'a pas pu se parler avant? J'aurais aimé. Tu sais, que la grande sœur soit celle qui dirige tes opérations. Excuse. Dis-moi où je peux trouver les documents ou envoie-moi ce que t'as de là-bas. Là. Je m'occupe de tout. Excuse. T'auras pas à t'inquiéter. C'est juste que... Te juger? Pourquoi je te jugerais? Je nous vois de ta quoi ensemble. Non, toi et moi. On est au chalet de mon oncle Bernie. Les hommes sont pas là, fait qu'on est juste les femmes. Mais ma tante Yvonne est couchée à cause de ses migraines. Mais elle joue au solitaire. Un après-midi tranquille, là, un dimanche peut-être. Tu lis. Moi, je fais semblant de lire pour faire comme ma grande sœur. Ça sent la tarte au pomme au four, puis... Si vous êtes satisfaite de votre message, faites le carré ou raccrochez tout simplement. Pour recommencer, faites l'étoile. Je sors de la chambre de maman. C'est fini. J'ai pas eu à décider pour l'oxygène, en fin de compte. On nous dit qu'elle a pas souffert à cause de la morphine. Mais m'a dit, Liz, l'entendre rouler de même, m'a dit que d'un tout petit corps de même, tout est rabougri, puisse sortir un bruit comme... Je sais pas si t'as déjà entendu ça. Pas moi, en tout cas. Le râle de la mort. Moi, savoir ce qu'il veut dire à cette part ça. En tout cas, c'est fini. Il n'y a pas de vol pour Témine sans escale. OK, mais je prends celui du matin. Le vol de 6h30, retour le dimanche sur le vol de 2h. Mais je veux une auto aussi. Je peux faire ça avec vous? Ça faisait 6 mois que j'étais clean. Puis je l'étais encore ce matin-là parce que l'appel est arrivé avant que je me shoote. J'aimerais ça être croyante pour pouvoir dire que c'est un message de ma grand-mère. Message ou cadeau. Un signe, en tout cas. J'aimerais ça croire au signe. J'aurais dû laisser la trousse aux petits pingouins dans le frigo de mon appartement. Mais... Fuck it. Madame Coron, c'est Sophie, la fille de Gisèle. Je voulais vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour ma mère. C'est beau, maman. Ma nièce arrive de Timmins, en fin de matinée, samedi. Ouais, c'est ça, j'y ai dit moi aussi, mais tu sais, qu'est-ce que tu veux? Si elle est pas là, elle est pas là, hein? Moi, j'y ai dit. Arrive vendredi, passe la nuit. Les funérailles à l'église, c'est le lendemain matin. Mais elle avait une dent en tête, qu'est-ce que tu veux. Vous, on va vous voir là. Faut pas imaginer que votre sœur soit choquée. Déçue, clairement, je ne vous le cacherai pas. Elle aurait voulu que vous puissiez y être toute la famille ensemble. Mais elle comprend très bien que vous avez des engagements de l'autre côté de la planète. Le père Germain a bien parlé. C'est toi qui lui as raconté l'histoire de l'ours et de la partie de cartes au chalet? Dubuc va vous attendre. Même après ses heures de bureau, il m'a dit qu'il vous accommodait. Je suis tellement tabarnak. C'est elle? Non. Y a-t-il un mot en langue morée pour triste, tendu en calice puis décollissé tout en même temps? Du thé. Je sais pas comment je ferais sans toi. Ah, cette fois-ci, c'est elle.
Quand ma mère me disait qu'il faisait fret dans son bout du nord, elle montait pas. T'es déjà venue quelquefois? Oui, les étés. Noël une fois, mais j'étais petite. Je me souviens pas d'un moins 35. Cette nuit, on prédit moins 55. Hi! Même si moins 55, c'est avec le facteur éolien. Si c'est le ressenti, c'est pas vraiment moins 55 au thermomètre. Parce que si c'est vraiment moins 55, ben là, on serait rendu à... Shit. Moins 55, c'est avec le vent, hein? 100. T'as branché ton char? Je devrais. Si tu veux pouvoir repartir demain matin. Et vous avez reçu mes messages? Je sais pas qui t'a garanti que tu pouvais te rendre de Montréal à la messe pour ta grand-mère pour 11 heures ce matin, mais moi, j'aurais pu te le dire que c'est impossible. Quel autre tata, gars ou fille devant son écran d'ordinateur qui te l'a garanti en réservant tes vols, ton auto, en coordonnant tes arrivées, tes départs? Non, mais on m'a dit que j'allais... J'étais plein de marde. Parce qu'en théorie, peut-être que ça se fait. Mais la théorie fonctionne une fois sur 20 si tu passes par l'aéroport de Timmins, puis une fois sur 100 s'il faut que tu passes par celui de Sudbury pour te rendre à celui de Timmins. Je suis désolée, ma tante. Je voulais être là, par respect. Je suis navrée. J'espère que vous me pardonnez, même si... franchement, j'ai pas d'allure, je le sais. Mais je voulais être là, avec vous. Je l'ai toujours aimée, grand-maman. Il faudrait vérifier à l'aéroport de Timmins pour ton vol avant de quitter demain matin, parce que... À ces froids-là, là, c'est pas toujours évident. J'ai Air Canada sur mon téléphone, ils vont m'avertir. Toujours mieux avec le monde de l'aéroport. Vous avez branché votre auto? Non. Mais je suis pas vraiment obligée de rentrer en matinée. Avant de partir, je veux m'assurer que tout est réglé, les papiers... Le notaire, que... M. Dubuc, a déplacé notre rendez-vous. On va pouvoir passer chez lui en soirée pour signer ce qui doit être signé. C'est gentil. Du thé? Merci. C'est vous, Moussa? T'as parlé à ta mère? Depuis les funérailles, là, t'as parlé à ta mère? J'ai pensé qu'on pourrait la skyper ensemble tantôt. Son vol Nice-Moscou est parti v'là 3 heures. Ensuite, son transfert, sa visite de la salle de concert. Elle a eu une entrevue. Par le temps qu'elle s'installe dans son hôtel, on parle vers 4 heures, 4 heures et demie, notre heure. Vers minuit, pour elle, ce serait bon. C'est ça qu'on s'était dit, elle et moi. Donc, juste avant le souper ici, là, c'est ça qu'on s'est dit. Quand on s'est parlé la dernière fois. Elle aussi aurait voulu être ici avec vous, ma tante. Elle a essayé de négocier avec les producteurs, mais les concerts de la semaine... La messe, c'était par respect pour ta grand-mère, pour les petites vieilles de la résidence, les dernières qui restent de sa génération. Pas pour moi. Hein. Bon, il y en a peut-être qui auraient aimé ça, la voir, ta mère, la vedette, la Madame Elisabeth, mais non, il n'y a rien là. Hein. Ma sœur n'allait pas faire annuler des shows en Italie, calvaire pour ça. Là. En Russie. La série de concerts est à Saint-Pétersbourg. En Russie. En tout cas, on se verra à l'enterrement au printemps. Ou à l'été ou à l'automne, quand ça fera l'affaire à tout le monde. Non, l'affaire qui me badre, c'est que... Tu sais que... Moi, je sais que tu sais que... Tantôt, quand on va aller écouter le notaire, toi puis moi, il n'y aura rien de nouveau. Parce que ta mère, puis toi puis moi, on l'a entre les mains depuis des années, le testament. Puis quand est-ce que tu veux... Si toi, tu n'as pas parlé à ta mère depuis la messe, moi, oui. Pas long. 30 secondes max. Mais c'était assez pour que je comprenne. Elle m'a demandé... Elle t'a délégué pour venir enfoncer le petit couteau dans mon doigt à sa place. On s'était entendu que tu allais écouter avant de lui sauter à la gorge. Excuse. T'as raison. Avant de sauter, je devrais entendre la logique de... Le pourquoi... Pourquoi? Pourquoi? Faut comprendre que j'ai les mains attachées. J'ai un mandat de ma mère, de votre sœur, et ce mandat, je dois le respecter. Tu trouves pas qu'elle parle comme un député? Hey, moi, la façon qu'elle parle, là, me semble que c'est la façon que les politiciens parlent à la radio de Radio-Canada, là, ou Nouvelle, ou... Je veux entendre ce qu'elle a à dire. Merci. Je sais pas ce que ma mère vous a dit ou ce que vous avez compris de ce que ma mère vous a dit la dernière fois que vous êtes vue ou parlée, mais si vous, ma tante, vous avez eu l'impression qu'elle allait renoncer au patrimoine familial et à sa part de la Queens après le décès de grand-maman,
Vous vous êtes trompé. Peut-être avant la fraude de son gérant, la vente forcée de son appartement à Paris pour régler sa dette au fisc. Oui, peut-être. Avant, elle pouvait faire comme si les questions pratiques d'argent ne la concernaient pas. Avant. Mais la situation a changé. J'ai reçu d'elle le mandat de liquider dans les plus brefs délais la dite propriété parce que, comme vous pouvez le lire dans... non, pas celui-là, là, je l'ai ajouté en annexe. Je peux voir? Oui. Oui, là, c'est celui-là, je savais que je l'avais ajouté. Le mandat stipule que j'ai l'autorisation de procéder à la liquidation en respectant, bien entendu, la loi ontarienne. L'annexe que je voulais que vous lisiez, l'annexe C. Oui, c'est ça. C'est une copie d'une lettre de votre mère qu'elle vous avait envoyée. Grand-maman se doutait bien que vous alliez pas vous entendre. Et si elle avait pu... Je sais ce qu'elle a écrit. Elle aurait vendu l'hôtel v'là des années. Elle aurait vendu la couille tout de suite après avoir enterré papa. Sauf, elle savait que papa, c'était pas ça qu'il voulait. C'est tout ce qu'il y a dans cette lettre-là. Fait que... On respecte sa volonté en liquidant et en divisant la somme reçue en deux parts égales. OK. OK, ben c'est pas ça qui va se passer. J'ai une offre d'achat en bonne et due forme que j'ai reçue cette semaine. Mm-hmm. Annexe D. J'ai vérifié. L'offre correspond grosso modo à ce à quoi on pourrait s'attendre sur le marché, même à davantage, selon l'agente immobilière que j'ai consultée et qui m'a dit qu'on ne devrait pas hésiter à l'accepter. Aussitôt qu'une des deux parties manifeste par écrit son intention d'accepter une offre, l'autre partie a 48 heures pour faire une contre-offre qui égale celle que la première partie veut accepter. 48 heures. C'est dans le testament que nous lira le notaire tantôt. Mais c'est pas ça qui va se passer pareil. Mais c'est quand même pas mal d'argent pour vous, ma tante. C'est une compagnie à numéro qui a fait l'offre? On vous communiquera les détails après le transfert de propriété tantôt chez le notaire. Comme si on savait pas c'était qui. Je vais appeler Bobby. Tu lui donneras la chambre 12. Avez-vous d'autres sacs? Merci, tout est bon. Elle a compris qu'elle a pas vraiment le choix, hein? Qu'aussitôt que ma mère signifie qu'elle accepte le dépôt de l'offre d'achat, elle a... Venez. Nous allons chercher la clé de votre chambre. On peut se tutoyer, si vous voulez. Je veux pas vous l'imposer, là, mais si ça peut... Bien sûr qu'on peut se tutoyer. Elle t'a mentionné les deux équipes bantam de hockey qui sont arrivées pendant que nous étions à l'église? Ah, non. Normalement, il y a un couvre-feu pour les joueurs vers 10 heures. Et les garçons sont au lit et endormis avant minuit. Normalement. Normalement, ils ne jouent pas dans le corridor. S'ils le font, tu m'avises ou tu avises la personne à la réception. Parfois, cela arrive. Ce sont les adultes qui posent problème. Après le couvre-feu, ils se réunissent dans les corridors. La consommation d'alcool dans les endroits passant comme les corridors est interdite, mais nous la tolérons. La politique de la maison. Pourquoi faire chier le peuple tant que le bon peuple ne fait chier personne? Parfois, le ton monte, on ricane. Si ça arrive, tu nous avises. Avant-dernière porte à ta gauche dans le couloir ici. Le notaire nous attend à 1h30. Marie-Élisabeth Thibodeau. Vous avez bien rejoint mon portable, mais je ne peux vous répondre pour le moment. Veuillez me laisser un message. Ta fille fait bien ça. Elle est capable en crise, la petite. Fait à peine une heure qu'elle est arrivée, puis tout est aligné pour que je puisse rien faire d'autre que te laisser me passer dessus. Une vraie pit bulldozer. Je veux te parler avant de passer au notaire. Avant qu'il soit trop tard. Appelle-moi. S'il te plaît. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Рады приветствовать вас на второй встрече цикла «Пять вечеров» с известной канадской пианисткой и композитором Мари-Элизабет Тибадо, которая прошлой зимой проводила у нас свои гастроли. Сегодня мы поговорим о ее детстве и первой любви. Bonsoir. Bonsoir.
J'aimerais commencer en évoquant les paysages, appelons-les primaires ou originels, qui ont alimenté votre façon d'aborder les œuvres qui vous ont inspiré tout au long de votre carrière. Je parle des espaces nordiques, austères, où vous êtes venu au monde et avez grandi. Je ne sais plus qui l'a dit, mais me revient cette citation. Les hommes ont certes des racines, mais ils ont aussi des jambes. Sans nier l'influence des origines, je suis convaincue que les voyages et les gens vers qui mes jambes m'ont portée ont été davantage formateurs que ce terreau de mes premières années qui semble à certains, notamment à mes amis français, certes exotique, mais qui a si peu de valeur aux yeux de la jeune adolescente qui vient étudier à New York. Si peu que la seule chose qui lui vient à l'esprit, alors qu'elle se trouve pour la première fois en plein Times Square, c'est ce cri du cœur. Que dois-je faire pour ne plus jamais avoir à retourner dans ce bled perdu ?